Attends, sinon je vais pas m'emmerder. Hein. Je me. Ok, c'est bon. Alors. Oh putain! Oh putain, mais ça c'est le karma, quoi. Mais c'est le karma. Mais Natrium, merci. J'ai envie de te dire merci, rien que pour te foutre la pression, quoi. Non mais ce jeu. Non mais ce jeu, quoi. Mais lol. Mais franchement, mais c'est de la rigolade en barre, quoi. Bonsoir, c'est Ragboy et on se retrouve ce soir avec une mission de lancement de campagne. Enfin, disons que la première c'était un briefing, la deuxième c'est celle-ci, on joue vraiment. Moi j'adore cet autobus là, je sais pas si vous le voyez dans le noir. Il y a les Abrams qui sont là, mais on va pas les sortir. On est au sud d'Arlande sur l'HMS Adélaïde et on va partir en mission. On a à peu près 11 personnes ou 12 personnes. Normalement j'ai mon équipement avec moi, il faut juste que j'avais des problèmes de radio donc. Ah non, il n'y a pas ma. Ma ceinture a été mise ici. Bon, ben, écoute, super. Ben, ça va bien se passer de façon. Oui, oui, c'est positif. On a une radio pour nous ou pas ? Non, écoute, de toute façon, il n'y a que toi et moi. Donc, normalement, on est sur 45. Mais tu utiliseras que vraiment dans les cas extrêmes, extrêmes, extrêmes. Ok ? Tu restes toujours à portée de voix avec moi. D'accord ? On est un binôme. Quand j'avance, t'avances. Quand j'arrête, tu t'arrêtes. Quand je m'arrête, tu regardes derrière moi. Et voilà, Furious, d'accord ? Ok. T'as pris des chargeurs pour MK ? Ok. J'ai pris un petit peu de chargeurs pour tous les armes d'assaut. Ok, bien pris. Bon, bah super. Super génial. Eh ben, on est tout bon, je crois. Non, j'ai rien d'autre à te dire. Suis-moi et tout se passera bien. Des bandages en plus ? Un petit peu, on sait jamais, ouais. Voilà, donc on est de nouveau sur Reforger. Il y a eu une mise à jour de la version expérimentale qui permet enfin d'avoir, je crois, une sorte de classe médicale ou quelque chose comme ça, ou tout du moins un truc particulier. J'ai pas eu le temps de la télécharger, j'avais beaucoup de choses, j'étais occupé par Sixdain Fallujah, qui est pas mal, mais qui est pas un grand jeu non plus. J'attendais plus. Voilà. Sinon, écoutez, pour l'instant, en tout cas, j'ai hâte de jouer cette campagne où on va devoir. Je vais être squad leader, gérer deux équipes, Épervier et Buzard. Et on est en live, évidemment, sur Twitch. Donc, abonnez-vous sur Twitch. Ainsi que aussi à différents réseaux sociaux si vous voulez connaître tout. Voilà, vous savez tout de moi et de la soirée de ce soir. Allez. C'est simple. Votre objectif aura un rôle assez capital sur le début de cette campagne, d'accord ? Vous allez détruire des DCA. Ça, c'est votre objectif. Si vous le faites de manière discrète, c'est la priorité, bien entendu. C'est le mieux pour vous. Si vous ne le faites pas d'une manière discrète, à tout moment, vous faites repérer et ça tire dans tous les sens, vous pouvez continuer la mission. Il n'y a pas besoin de vous replier. Ne vous inquiétez pas. Par contre, je vous invite à vous dépêcher. Parce que forcément, les tirs vont attirer du renfort. Voilà. Quand vous affichez votre carte, tout vous est communiqué. Donc pour les seconds ainsi que les chefs de groupe, et dans le cas Ragbo, donc les chefs de section, à vous de vous organiser. Si vous voulez vous dispatch, vous vous dispatch. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. C'est vous qui décidez. C'est vous les chefs. La fin de mission se passe au niveau de la base ennemie qui se situe tout à droite. D'accord ? La ligne rouge. Est strictement interdit à passer, c'est la ligne ennemie. Dites-vous qu'à partir du moment où vous la dépassez, derrière, c'est extrêmement armé, vous avez mais vraiment zéro chance de survivre, d'accord ? Donc là-dessus, je vous demanderai d'être fair play, bien entendu. Civil, il peut y en avoir, je ne peux pas vous confirmer à 100%, donc faites attention à vos cibles. Que vous dire d'autre ? Civil, je note tout sur le C'est une mission avec une difficulté plutôt moyenne, je dirais. Par rapport à celle qu'on fait d'habitude, c'est un petit niveau au-dessus. Voilà, j'ai augmenté un petit peu la difficulté. Donc, soyez concentrés. Je rappelle qu'il peut y avoir des bugs radio, d'accord ? Donc ne vous prenez pas la tête, passez tous un bon moment. On est là pour s'amuser avant tout. Que vous dire d'autre ? Si vous avez des bugs, des crashs de mission
enfin de crash de serveur. Il n'y a pas de souci, vous vous reconnectez, vous refaites votre équipement si ce n'est pas déjà fait avec la sauvegarde. Vous envoyez un message au chat du jeu et je vais vous TP sur l'endroit même. D'accord ? Mais avant, je communiquerai à la radio au chef de groupe. Ok ? Par contre, si vous êtes mort, vous êtes mort. C'est fin de game. Vous êtes plus que 10. Donc, soyez concentrés. D'accord ? Est-ce que vous avez quelconque question ? Pas de question idiote, hein, c'est maintenant qu'il faut la poser. Ouais, je peux prendre 30 secondes pour aller sauvegarder mon équipement. Oui, oui, tout le monde, vous pouvez, oui, oui. Petite précision, pour détruire les DCA, j'ai fait des tests. C'est possible à la grenade, mais ça met beaucoup de temps. Si vous avez des AT, c'est préférable. Je sais pas si dans les caisses, il y a le C4, le mode C4 là, qu'on a installé. Je sais pas où est-ce qu'il est, moi j'arrive pas à le trouver. Sinon, les chefs de groupe, vous me dites, vous faites un décompte, et de manière cérébrale, je ferai une explosion sur la cible, d'accord? Juste ça. Je ferai péter le machin. D'accord, ouais, on va peut-être passer par là. Du C4 et voilà. Le chef de groupe fera le décompte. Fera le décompte, voilà. Voilà, exactement. Peut-être une question. Oui. Le point d'insertion, se trouve où? Ça, c'est les chefs de groupe qui se mettront d'accord et c'est vous qui voyez. Vous partez tous en bateau. Donc pour les retardataires, je rappelle que quand vous allez monter sur le bateau, là, les petits là, vous faites utiliser l'échelle. Vous ne faites pas autre. Et surtout, vous ne démarrez pas le bateau tant que tout le monde n'est pas monté. Pour éviter tout bug. Ok ? Voilà. Autre question ? Oui. On va oui. Pas avec les C4, si on prend, on n'a pas vraiment de C4, on peut prendre les mines pour remplacer les C4. Si ça vous convient mieux, c'est vous qui voyez. Mais lourd. Mais le truc, c'est que les mines, il faut qu'il y a quelque chose qui roule dessus. Donc je te vois mal pousser le camion ou les trucs comme ça dessus. Quoi. On peut tirer dessus. Non, mais on va pointer laser la cible à détruire. Ouais, on va faire ça. Voilà, de croisière qui boum boum. Oh là là. Je suis content de pas l'idée, je vous le dis, je suis content de pas l'idée. J'ai une grosse journée, je vais éclater. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde a plus de questions? S'il y a des questions, c'est maintenant. Vraiment n'hésitez ouais, pas. J'en ai justement. Non, c'est bon. Si, attends, si. Alors, donc dis-moi. On est bien d'accord. Si on explose, le fait d'exploser une DCA ne fait pas que on saute notre discrétion, parce que tu nous as dit si on n'est pas discret, ça sera plus compliqué. Mais faire exploser une DCA, c'est pas très discret. C'est pas, voilà, c'est ça. Donc c'est là qu'il va falloir avoir une bonne stratégie d'attaque, tu vois. C'est-à-dire. Donc on considère que faire exploser une DCA n'est pas discret. On est d'accord? Voilà, exactement. Ok, ça marche, j'ai compris. C'est beaucoup moins discret que des tirs. Quoi. Après, là, je peux pas vous en dire plus. C'est à vous de faire attention, bien entendu. Quoi. Oui, mais pour les faire exploser, on est bien obligé de faire une explosion, une vraie. Ouais. Après, petite information, tu fais bien de m'y faire penser. Vous pouvez, s'il y en a un qui peut se mettre en tant que, dans l'esprit, je parle bien, ingénieur, je sais pas, moi, genre celui qui est expert en explosifs, il peut faire en sorte à déglinguer de manière mécanique les cibles. Mais par contre, il va falloir défendre la position pendant laps de temps. Je ne sais pas, moi, pendant 20 secondes, il est là en train de trifouiller la DCA pour faire en sorte qu'elle ne soit plus du tout fonctionnelle. Ah, voilà. Ok, excellent. Vous avez droit à ça. Par contre, il faut que je le sache au moment que le truc il est détruit. Quelqu'un doit mettre un chrono à côté de lui et dire à partir de là, je suis en train de défourailler le machin, top chrono, et tout le monde doit surveiller. Ok, bon, je le dirai à la 45. Ça marche, 45. Donc pour parler avec moi-même, donc le commandement, ça sera 45, ok? Je resterai okay. Sur 45 en cas de problème. Ok, autre bien question? Pris. Non, j'en ai pas moi. Silencieux obligatoire. C'est recommandé, oui. Après, si ça tire, bon, bah, ça tire. Hein. Les silencieux, tant pis. Ok. C'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. Petite info, il y a des documents bleus sur la carte, ok. Si vous les trouvez, tant mieux. Vous les trouvez pas, tant pis. Normalement, il était censé y avoir un mode qui permet de récupérer les trucs, mais il n'y est pas. Donc, si vous voyez des documents bleus, récupérez-les. Ça marche. Ça aide à la campagne.
Voilà. Bien pris. Et bah, bon courage tout le monde, top départ. Ok, ça marche. Discute Cell, Chris. Oui. Ah oui, Yano, donc c'est Chris qui reprend. Ouais, Yano. Ou Yano. Normalement, il est là, Yano. Ouh là là. Atrium pour test radio. Ah ouais, dis donc, c'est une image par seconde. Ok. Ouais, c'est parce que là, il y a trois items. Le PC, tu forêt clair. Ok. Yano, Yano, Cell. Oui. Ouvrez votre map. Est-ce que vous voyez les indications que j'ai mis avec une croix bleue LZ et des flèches après vertes et rouges? Ou est-ce que, comme il y a écrit que ma faction, j'ai un doute? Non, non, c'est bah, bon. Moi, juste bleu. Non, la verte sur la DCA1, la rouge sur DCA2. Ok, bon. Oui. Alors, voilà la progression qu'on va faire. Verte, je... Ok, la progression qu'on va faire. J'aimerais quand même que un de Épervier... prennent un lanceur avec lui, on sait jamais ce qui pourrait nous arriver. Donc tu vois ça, Cell, si tu veux mettre Paulet, par exemple, en, avec un lanceur. Donc, on va se déposer nos bateaux en LZ, donc en 014-009, pavé numérique 3. À partir de là, on monte en direction de plein nord, on va se mettre sur la position avant, pour essayer de checker ce qu'on peut voir de cette position en hauteur, ou la prendre, je ne sais pas ce qu'il y aura. En tout cas, à partir de là, on va progresser en colonne parallèle. Donc je mettrai Buzard en hauteur, donc c'est-à-dire le plus à l'est, et Épervier le plus proche de la plage. D'accord. Ok, progression parallèle sur, disons, 20 mètres de différence entre vous et en direction du nord-est, direction de la DCA. Ok, le but, c'est d'être contre la mer, principalement, le afflant de colline et de profiter d'un maximum de cover. Enfin, de couvert. Pareil, lancement de l'assaut sur DCA 1 en passant par la forêt, comme j'ai mis sur la flèche. Ouais. Ou alors à ce moment-là, on mettra Buzard qui est plus à l'est, passera par cette flèche verte, et Épervier sera plus sur la plage. Ok. Je vais mettre une deuxième flèche, voilà, comme ça. Je peux pas les orienter, je crois pas qu'on... Ok. Une fois qu'on aura... Épervier en bleu et Buzard en vert. Voilà, tout à fait. Bon, bah alors je vais changer ça. Hop. Donc après, là sur le DCA 2, alors ce que j'aimerais c'est que sur DCA 1, s'il vous plaît, on essaye de la démonter. Ce qui veut dire qu'après coup, une fois qu'on a un début de démonter, on fasse un périmètre de couverture du style nord-nord-est. Ouais, d'accord, on fait une bulle. Voilà, et Samy sera le mécano. Ok, ça marche. D'accord. Samy sera le mécano, c'est pour ça que je ne le charge pas avec un lanceur. Contrairement à Paulet. DCA2, une fois que c'est fait, on bougera directement sur DCA2. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement passer par colline Briassée. On va s'éloigner de la frontière et passer directement par colonne Briassée. D'accord. Si on peut checker le bâtiment, on y va, mais franchement, on s'en fout. C'est pas notre point d'intérêt, mais si on voit qu'il y a de l'activité ou quelque chose, ça pourrait être peut-être intéressant. D'accord. On va profiter de toute la forêt qu'il y a à l'est de colonne Briassée pour naviguer, pour aller jusqu'au plein nord et attaquer vecteur ouest. Ouais, mais vecteur ouest. Alors attention, je vais mettre les points. Tac. Donc, vert. Ok. Bleu. Et comme ça. On va l'attaquer de ce côté-là. Pareil, si on par chance... On peut la démonter, qu'on se fait repérer, que voilà, s'il y a des tirs, il y a des tirs. Et une fois qu'on lance le démontage, pareil, vous me checkez ce qui vient de la route du nord, sans franchir la ligne. Franchement, j'y tiens, faites gaffe à ça. Et ce qui pourrait venir ouais, pareil, du nord. Encore du nord, d'accord? Et le phare, tu veux qu'on s'en occupe au départ ou pas? Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est le premier point de passage. On monte au phare, tous les deux, là, vos deux équipes montent au phare, vous prenez position. Une fois que je vous ai rejoint là-bas, j'observe la zone et vous vous mettez en route en direction de DC1. Très bien. On fonctionne sur riposte, c'est-à-dire si vous faites engager, vous tirez. Si vous pouvez éviter de tirer, vous ne tirez pas. D'accord ?
Très bien. Ok, et puis DCA 3, je me laisse le loisir de voir comment ça a avancé déjà, d'accord ? Très bien. Allez, c'est parti pour moi, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, Paulet, tu t'équipes d'un AT ? Moi, j'ai une petite question. Moi aussi, juste après le tien. Si jamais on est engagé, on continue le plan initial ? Oui, tout à fait. Vous neutralisez la cible et on continue le plan initial. Si par contre on commence à avoir, je ne sais pas, des blindés ou une colonne d'une vingtaine de mecs sur la gueule, là on va changer, oui. Mais on est suffisamment pour neutraliser au moins 4-5 mètres, mec. Bien pris. Sur le point LZ, juste à droite, il y a un petit point bleu, on s'en occupe pas ? Non, on s'en fout. Ok. Non, on va pas, on n'est pas là en touriste. On n'est pas là en tourisme, on vient là vraiment pour des objectifs clairs. Et rappel pour tous, effectivement, si vous checkez une tente ou checkez un bâtiment et que vous trouvez un document bleu, vous le dites à votre chef d'équipe qui me le remontera, d'accord ? Bien pris. Et vous me donnerez l'endroit où ça se trouve, et à ce moment-là, moi, je m'y rendrai après coup, une fois que vous seriez parti ou que je vous aurai rejoint. Je serai à la traîne, je serai derrière. Question pour l'attaque là pour le phare. On passe par où ? Par la forêt qui est en ouest, on passe... Ouais, là on fait une attaque frontale plein nord. Ok. Ouais, frontale plein nord. Là je vais pas manœuvrer 107 ans avec une équipe qui passe en nord-ouest, qui fait après une approche en vecteur est. Non, j'ai pas envie de faire ça. Je le mets sur la carte si tu veux, mais franchement ce sera au cas où vraiment on voit qu'il y a du monde. Non, c'est juste que je savais pas comme si on attaquait d'un plan précis ou pas. Je mets ça sur la carte. Voilà. C'est tout bon. Chris, écoute bien parce que si Yano il a des soucis vu qu'il a quelques lags, c'est tout va reposer sur toi. Hein. Bleu, on avait dit que c'était. Ouais. Allez, on y va en nageant. Je sais pas nager. Oh là là. Et mine noire. Allez, c'est la mort. On commence les pieds dans l'eau. Répartissez-vous, Épervier, Buzard, sur chacun des bateaux. Moi et Furious, on va aller dans l'un des bateaux. On verra bien. Attention, prenez Épervier bien. Épervier prendra le premier Zodiac. Montez bien par les échelles. Ouais, montez bien par les échelles. Hein. Furious, pareil. Excellent courage. Prenez le temps, montez pas tous en même temps. Ouais, chacun son tour, à la ribambelle. On peut s'asseoir quand même, ça va pas bugger. Oui, après vous vous asseyez dans les places. C'est bon. Quelqu'un monte, tu peux y aller. Ouais, c'est bon. Ouais, je me disais aussi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est toi ? Alors moi j'ai une barre en plein visage. T'inquiète, ça va pas durer. Y'a personne en tireur au cas où devant ? On peut, attends, j'y vais, je suis minimi. Ouais, j'y vais. C'est à vous de voir, hein. Ouais. Allez-y, Furious, tu peux monter. Tu feras gaffe parce que je crois que quand tu sors après du bateau, ça va te faire bugger. Ah merde. Je sais plus qui en a fait les frais. Bon, de toute façon, normalement, on n'est pas censé tirer, hein, donc. Allez, c'est parti, là. Y'a pas de conducteur, si. Non, y'a pas de conducteur sur ce bateau. Ah, personne n'a pris le conducteur. Ah, mais moi je suis pas conducteur, hein, les mecs, hein. C'est à vous de gérer. Hein. Allez, je prends, hop, allez. Moi ce soir, je me fais transporter. Hein. Putain, la technologie c'est fou, plus besoin de conducteur, c'est dingue, même sur les bateaux maintenant. On passe pour Épervier et Buzard, go départ, allez, c'est parti, là, on a une minute de retard. Épervier embarqué. Voilà, j'espère que cette mission va bien se passer. Comme vous l'avez vu, je suis chef de groupe. Ça va être donc, je vais devoir gérer deux équipes en même temps. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait ça, mais je suis très content de pouvoir vous le montrer. Ouais, va un petit peu à droite en fait. Voilà, ouais, parfait là. Voilà, ça va très bien. Et donc. Encore à droite, sinon on risque d'atterrir sur des. Je vois un peu de lumière au loin là-bas. Ok. Ouais, là, stop. Ouais, là, stop, c'est bon. Oh putain, on prend des tirs. Ouais, il me semble qu'on était proche, ouais. Enfin, je vais partir plus à droite. Hein. Ah ouais, là tu peux repiquer à gauche. Attention, le sol bientôt. Vas-y. Ok, plage. C'est bon, plage, allez débarquer. Non, c'était 500 d'origine. Alors, le boy à Épervier et Buzard, on a pris déjà des tirs, c'est très curieux, donc faites gaffe.
Ah, faut couper les moteurs, les mecs. Hein. Ah, on peut pas. Oh, arrête. Bon, allez. Magboy, pour Épervier Buzard, mettez-vous en ordre de marche et je m'occupe du... Bon, bah voilà. Bon, donc on a pris des tirs, ça venait de la gauche. Allez, pour Épervier, préparez-vous. Ouais, finalement, la nage, ça aurait été effectivement une, peut-être une meilleure idée vu qu'on n'aurait pas été repéré. On passe pour Épervier. Sur la carte, j'ai mis une flèche pour Épervier, mais j'ai l'impression, fais gaffe quand même, parce que les tirs venaient pour moi du cap de la Roquerie. Donc, tu aurais peut-être potentiel à être dos à des méchants. Oui, bien reçu. Donc, je privilégierais une progression en double colonne parallèle de Épervier et Buzard direction plein nord pour la position à voir. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle est. Il y a du méchant sur zone, hein, faites gaffe. Salut Gravity. Bien reçu pour Épervier. Accident de tir ou quelqu'un a vu un méchant? Salut Furious, ça va? Ouais, c'est bon, je vous reçois. Très bien, et toi? Ouais, pas de soucis. Épervier, prêt au départ. Ouais, je t'entends. Go, hein, j'ai déjà donné le go départ hein, pour Épervier et Buzard. Hein. Allez, c'est parti, les mecs. Il me semble que je l'ai donné. Moi, j'ai un doute. Bon, voilà, donc l'équipe est en train de partir. Nous, on va attendre un petit peu. Ça va être plus de la stratégie ce soir plutôt que du CQB, que de... Voilà, on va être plus dans le fait d'être posé. Allez, Furious, on y va, Furious. Ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait une patrouille de plage, quoi. On va avancer un peu. Rapace de Épervier. Rapace à l'écoute. On avance. Oui, visuel sur un campement ennemi à notre gauche qui est à 100 mètres de l'objectif. À 100 mètres, dans quelle direction par rapport à l'objectif? Direction... Nord. Buzard pour Rapace et Épervier. Rapace, à l'écoute. On a un homme en visu au sommet du phare et toujours les deux en bas du phare. Ok, si vous deux, vous êtes si Épervier et Buzard sont en position pour faire feu, prenez bien des couverts et allumez-moi le mec en haut du phare et les deux gars qui sont en dessous. Est-ce que sur le campement, avant mon go, hein, j'ai pas donné encore le go départ, mais Épervier, le campement est Rapace. Habité ou pas? Affirmatif, le campement est habité. Visuel pour le moment d'un hostile. Je te donne les coordonnées, donc il est en 016-011. Comment reçu? De Rapace 016-011, vous confirmez, donc normalement Buzard devrait le voir. Confirmation. Ok, c'est pris. Buzard, donc faites gaffe. Hein. Normalement, si je dis Épervier, c'est qu'à votre droite, il y a un campement. Vous confirmez? On n'a pas de visu, nous, parce qu'on est un peu en contrebas. Donc, on sait pas du tout si sur notre droite, il y a un campement, là. Ok, bon, alors, c'est pas grave. Vous mettez un mec qui va surveiller tout ce qu'il pourrait décréter. Et go départ. Hein. Go feu, là. Feu à volonté. Bien reçu pour Épervier. Reçu. On attaque. Tu en gardes en joue au cas où, et Furieuse. Et on tire pas les premiers. Ouais, mais on tire pas les premiers.
Là, il y en a un, là, vas-y, je crois que tu peux le tirer, là, il est en bas. Ah oui, il est mort. Ouais, en bas, il est derrière un rocher pour moi. Ici, Buzard, l'homme en haut du phare a été traité. Ok, et les deux autres? Pour l'instant, ils sont pas encore traités. Ok, un a été traité en bas, il en reste encore un, du coup. Ok, heureusement qu'on était là. Ok, les deux ont celui d'en bas a été traité aussi. Ok, c'est bien pris. Buzard, tu bouges pas, ou tout du moins tu commences à décréter en direction du campement. Épervier, tu me rushes ce phare, c'est bien clair? Oui, Épervier en avance sur l'objectif. Ok, c'est reçu pour Buzard. On voit les bonhommes là. Allez, on avance aussi. Rapace arrivera par le sud du phare. Rapace arrivera par le sud du phare. Rapace à l'écoute. Nous sommes sur l'objectif. Bien pris. Prenez connaissance de l'endroit et si vous pouvez monter, montez tout en haut. Qui se fait engager? Qui se fait engager? C'est Épervier qui se fait engager, mais j'ai pas visuel sur le tireur. On est en train de checker. On regarde. Ok, Buzard. Buzard, apparemment, d'après mes hommes, c'est les hommes du camp qui ont tiré. RAS 1 sur le phare. Ok, Buzard, allez-y, attaquez le campement. Dizo qui est en haut, tu me surveilles le campement. J'ai avancé, Furious, excuse-moi. Ok, bien pris. T'inquiète pas, je te suis. Je crois qu'on peut éteindre les lumières, là. Ah la vache, non, ça marche pas. Ok, on est là. Ami. Mi. Ok, si vous avez rien trouvé à l'intérieur, on dégage de là. Hein. Ok, très bien. J'ai un problème. On a du contact, ça nous tire dessus. Hein. Oui, affirmatif, vous pouvez redescendre. Redescendez. Ah, y a un campement ici, là. Ah, ils ont été traités, d'accord. T'es traité. Ok, bien joué les mecs. Rack ? Oui. J'ai un problème, j'ai tous mes armes qui ont... Tchouf. Ok, autorisation de s'équiper sur les mecs que vous avez butés, d'accord ? On va pas retarder la mission pour ça. Rapace pour Buzard, vous en êtes où ? Vous êtes toujours en vie ? Migo, tu peux nous rejoindre sur le phare. Ouais, Buzard, on est toujours en vie. Le visiteur qui a rejoint. Et en haut, au nord-est du phare, sur la crête, un peu plus haut. On a vu, ça a bien été traité dans le camp, donc ça devrait être clean tout ça. Salut Lister, salut Belgium, ça fait plaisir de vous voir ici. Un chou love. Merci pour l'abonnement Tony, ça fait très plaisir. Prout. Poulet, tu me passes ton bloc. Rapace pour Buzard, Épervier a un petit souci avec un équipement, il sera là d'ici quelques minutes sur votre campement. Le but c'est de se mettre vite en progression avec, je le rappelle, Épervier sur la plage et Buzard sur 20 mètres au-dessus en direction de la DCA 1. Ok, c'est reçu pour Buzard. Excuse-moi, je suis parti Furious. Oh là, désolé. Hein. T'inquiète pas, je te suis, t'inquiète. Ah ouais, on voit là-bas. Ok, on est pas mal, on voit bien les choses d'ici. Tu la vois la DCA d'ici? Non, mais je vois quelques lumières. Rapace pour Buzard, est-ce que tu peux me donner tes coordonnées un peu approximatives? Ah, je vous vois, c'est bon, vous embêtez pas. C'est bon, ok. Ok, ils sont sur le promontoire là, à droite de la route. Ouais, alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit une baraque. On voit un lampadaire, mais on voit pas grand-chose en fait. En même temps, voir avec des NVG aussi loin, je t'avoue quand même que c'est une prouesse. Tu veux pas qu'on monte sur le phare vite fait?
franchement, parce que ça va changer. Hein. Bon, ok, nous on va laisser ça. Rapace pour Épervier, vous me confirmez que c'est bon, vous mettez en route ? Affirmatif. Allez, une fois que vous êtes bien en parallèle. On avance. Ouais, une fois que vous êtes bien en parallèle tous les deux, vous vous lancez. Hein. Bien pris pour Épervier, terminé. Ah merde, on va. Furious, on va monter. Furious, on va monter en haut du phare, t'as raison. Non, négatif. Aux jumelles, j'ai vu un mec au bord de la plage sur l'objectif. Ah, sur l'objectif ? Ouais. Ouais, ça va. Ouais, il sera traité dans les temps. Mais ce que je veux dire, c'est que la progression de là où on est vers là-bas, ça va, quoi. On sera tous coordonnés. Ok, on est bien là. Ah ouais, je vois beaucoup mieux l'objectif, là. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Pour l'instant, j'en ai vu deux. Ah bon ? Attends, moi, je suis que sur la baraque. Dis-nous pour René, tu m'entends ? Il y en a un qui est au bord de plage, là, qui est sur le petit ponton. Attends. Là. Vraiment au bord de l'eau. Il est en train de bouger, là. Dis-nous pour Wargame. Ah oui, ça y est, je vois. Oh purée, la vache. Ah, c'est fin. Ah, un deuxième qui va monter. Dans la maison, là, il est monté dans la maison. Ok. Moi, je vais checker. Vas-y, continue à checker ça. Moi, je check la route pour eux. Dizo, t'as pu le voir ? Non, du tout. Hein. Bah, par contre, c'est vrai qu'avec les gilets... Normalement, il est censé nous entendre sur la 42, mais je pense qu'il l'a pas réglé. On voit pas grand-chose. Où est-ce qu'ils sont mes bonhommes là ? Wargame de sel. Je check les routes. Ils sont où là ? Je les vois pas. Wargame de sel. Rapace pour Épervier et Buzard, dites-moi où est-ce que vous en êtes là ? C'est quoi ce mec qui mange la Tony là ? C'est quoi ce truc ? Pour Buzard, on est à peu près sur l'objectif. D'accord, mais vous êtes bien en parallèle avec Épervier ? Oui, normalement, oui, s'ils sont toujours au bord de la mer. D'accord, j'avais un doute. Avec Épervier. Ok. Pour information, on a repéré deux bonhommes. Un mec qui fait des allers-retours jusque dans la baraque et qui en ressort, et un autre sur le ponton. Donc, ponton veut dire près de la mer. Donc, il y en a un sur le côté gauche et un au milieu. C'est tout ce qu'on a pu voir de notre position sur le haut du phare. Bien reçu pour... Troisième en vue à côté de la maison. Ah oui, je vois. Correctif. Troisième en vue qui tourne autour de la maison. Un qui fait des allers-retours entrant, sortant, et un autre qui fait un tour autour de la maison. Ah ouais, il manque plus que Banja, putain, où est Banja ? Whisky, Épervier, vous me recevez ? Parlez. Ah. Rapace pour Épervier, Buzard, feu. C'est des silencieux, ça ? Ils avancent, Miko. Vas-y, avance. Ouais, je sais, mais moi, je peux pas trop tirer avec. Je sais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hackboy, lire son chat, M. Bonsoir, Lister. J'ai déjà dit tout à l'heure, Lister. Bonsoir, Gilles Tête de Mort. Salut, Entre Plumes. Rapace pour Épervier. Rapace à l'écoute. Avance. On est sur l'objectif. Ok, checkez-moi la maison et vérifiez si vous ne trouvez pas de document bleu. Buzard, vous êtes toujours en hauteur ou vous avez fait jonction ? Ah non, je vous vois, ok. On a fait jonction, ouais, on est dans...
Quoi, putain? Ok, Buzard, vous ne rentrez pas, vous ne rentrez pas, vous restez en extérieur. Vous allez surveiller, vous me faites une vision plutôt nord-est, nord-est, pour tout ce qui viendrait du nord-est, c'est clair? C'est reçu. Ah, je vais me planquer, moi. Oh, putain! Oh merde! Oh putain, je suis mort! Mais comment c'est possible? Oh non! Anna! Mais c'est pas possible! Ouais, mais je suis bien monté, c'est ce que ma femme me dit tout le temps. Non, mais... Je suis bien tourné avec toi, ce genre de bêtises. Ah, j'ai la fenêtre du chat qui devient noire. C'est chiant. C'est parti. Et tire-moi. Alors, ah, ça a craqué. C'est normal que j'ai les pieds mouillés? Alors, non. Peut-être parce que t'as marché dans l'eau tout à l'heure? Non, non, mais là, t'as les patins qui ont touché la flotte, hein, ou alors j'ai un problème. Ah bon? Ah bah, y'a eu un souci alors, parce que pour moi, tout va bien, hein. Oh. Tout va nickel. Bon, ils ont aussi... Bizarre à tous, c'est nos alliés qui arrivent. C'est notre chef de groupe nouveau qui arrive. Le nouveau, ouais. Le nouveau. Étirement, ben ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, 7. Je suis un peu rouillé niveau déco. Hein. Ah, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 8. Magnifique. Merci, chef. Au plaisir, ça fera 300 euros. Ah, quand même, c'est un peu cher. Bonne journée. Bonne journée. Kérosène. Dizo, j'ai un visuel sur une antenne radio. Dis-moi. Ouais. Ah, pas assez de nouveau sur zone. Très bien. Sur ma position, je te donne la zénith. Ouais, je suis derrière toi. Du coup, en 310, il y a une tour. Attends, viens, on va venir à l'intérieur. Ouais, j'aimerais les deux chefs d'équipe à l'intérieur du bâtiment. Google Pau, il va se retourner, il n'y aura plus personne. Je te jure. Ok, ouais. Chris, c'est toi qui gères. Et Cell, c'est bien ça? C'est moi. Ouais. Bon, effectivement, on s'est fait contourner par un mec qui était sur le ponton. Hein, donc, faites gaffe, c'est comme ça que je suis mort. Donc, avant de dire que tout est bon, je vais prendre du recul. Je vais prendre je vais rester un peu en arrière. Hein, c'est ma faute. D'accord. Bon, tout a été démonté. Ça y est, la DCA a sauté. Enfin, ouais. A sauté. Ok, oui. Nickel. De façon silencieuse ou pas? Silencieuse, oui, bah, c'est à nous qui s'en occuper. C'est moi qui m'en suis occupé. J'ai repris le commandement quand t'as eu ton accident et voilà quoi. Et après. Ok, pas de problème. Bon, bah, on va se mettre en marche. Pareil, en parallèle, je vais direction plein est et en direction de la DCA2. Après, je vous ai mis des flèches, donc je peux en continuer à en mettre si vous voulez. Bon, après plein est, on peut, là c'est bon. Ici, non, ouais, commandement de nouveau opérationnel. Voilà, je vous ai mis des flèches sur comment progresser. On quitte la zone d'ici 2 minutes, hein, même pas grand max ou maintenant. Ouais. Okay, t'as des chargeurs sur toi du coup de. Commandement Rapace. Dans ce cas. Ferius, c'est Ferius qu'il faut aller voir. Oui, j'en ai. Okay, tu veux quoi? Rapace à l'écoute. J'ai récupéré sur. Ok, bien pris commandement. J'ai fait jonction avec mes hommes. On va se diriger vers DCA2. On part d'ici 1 minute. Commandement bien reçu. Commandement terminé. Voilà, sans moi, mais je vous confirme que la DCA est pétée. Il y avait de la fumée noire qui en sortait, donc ça y est, elle est indisponible.
de façon silencieuse. Hein, elle a été, disons, piégée. Voilà, on peut dire ça comme ça. Maintenant, il y a de la fumée noire ici. Donc, je suis mort ici. Et il y avait un mec sur le ponton qui était là, qui était à bout portant après. Bah oui, c'est vrai, on l'avait vu. Hein. On l'avait vu, c'est vraiment dommage. Bon, c'est pas très grave. Je suis derrière toi, Furieuse. Tu vois rien du tout. Hein. Pas de document bleu. Il y avait rien ici. Ouais, ok. Bon, on va se mettre en marche. Allez, c'est parti. Oui, oui, affirmatif, affirmatif. Bah, c'est là où est marqué DCA, donc faites attention. Ouais, je vois ça. On va poursuivre, Malheureusement, les pseudos s'affichent toujours. Ok, c'est bien pris, celle. On est à l'extérieur de la maison. Allez-y, avancez, avancez là, on est en retard. Rapace va prendre pied dans cette ferme. Ami, allez, allez, faut bouger les mecs. Ok, donc là on est ici. Même nous on va pas rester là en fait. Furieuse, on va passer de l'autre côté. Furieuse, on bouge, on reste pas le long de la route, on sait jamais ce qui pourrait se passer. Bon. De commandement à Rapace, à vous. Attends, on se planque dans la forêt avant de répondre. Rapace à l'écoute. On nous signale par le biais des Américains en tentant d'envoyer un drone qui s'est fait abattre que des DCA ennemis étaient deux à lui tirer dessus. C'est les objectifs qu'on vous a communiqués. Hein. Donc leur emplacement est sûr. Par contre, le dernier emplacement de DCA, on ne sait pas s'il est sûr. On commence à avoir un doute, on essaie de se renseigner, on revient vers vous dès que possible. Ok, c'est bien pris, Drapace. On va traiter le DCA 2 et puis à la rigueur, vous pourrez dire aux Américains qu'il ne manque pas de drones s'ils veulent retester encore. Commandement bien reçu. Commandement terminé. Rapace pour Buzard et Pervier, vous en êtes où par rapport à l'objectif? Pour Pervier, arriver dans un mic. Rapace, je confirme, on a un visuel, on s'est positionné pour la voir en visuel. Effectivement, elle est à côté ouest de la maison. Il y a un drapeau, il y a plusieurs choses, plusieurs campements. On va vous faire un site rep d'ici peu. C'est bien pris. Juste petite information, dans la forêt, on est en contrebas. Donc nous, on n'a aucun visu sur... pas un visu bien clair de l'endroit. Il y a un bunker juste à côté de la DCA. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais, c'est bien pris. On va vous donner un maximum d'infos, ne vous inquiétez pas. Je vois deux contacts à côté du bunker. Ouais. Un à droite du bunker et un à gauche. Est-ce que tu vois des patrouilles? Ah ouais, je le vois. Il y a un mec à gauche du bunker, un mec à droite du bunker. Il y a un mec accroupi à côté de la maison. Il passe devant le camion, là. Enfin, il est derrière le camion, maintenant. Deuxième mec, donc quatrième mec derrière la maison, à gauche. Cinquième mec derrière à droite de la maison, derrière. Ah, il y a un filet de camouflage derrière la maison. Et pour l'instant, visuel, j'ai vu 5 mecs. Ok, bien pris. Rapace de Épervier, arrivé sur l'objectif, message complémentaire suivra. Ok. Rapace vous fait un état des lieux de ce qu'il voit. Alors, Rapace voit au moins 5 cibles ennemies. 5 cibles ennemies se baladant dans la maison et à l'extérieur.
Le principal campement se trouve au nord de cette maison et à l'ouest de cette maison, avec multiples bunkers sur cet ouest. Je note un camion bâché au sud du corps de ferme et une toile tendue, une toile de camouflage au nord de cette ferme. Je n'ai pas visuel sur des positions fixes de mitrailleuses, seulement des patrouilles, au moins 5 patrouilles qui tournent autour. Bien pris pour Épervier. C'est pris de Buzard. C'est bien pris pour Buzard. Bon, ce qu'on va faire, c'est que nous, on a un bon positionnement, là, je trouve. Par contre, on est quand même à découvert. Si on commence à est-ce que ça... Attends, il n'y a rien de plus proche. S'il y a un rocher. Il y a des rochers, ouais. Ok, on va avancer en rampant jusque là-bas. Rapaz va donner le départ d'ici quelques secondes, le temps que je me positionne. Couche-toi. Pas de coucher. Ok, Ferrou, c'était bon. Rapace pour Buzard et Épervier. J'ai positionné ma position sur carte. Nous sommes au sud de la DCA avec un appui-feu possible pour vous aider à traiter les cibles. Go, go, go départ. C'est reçu. On n'engage pas les premiers. Hein. Bien pris. Que ça commence à canarder, on peut engager, mais pas les premiers, hein, c'est bien clair. Bien pris. La rigueur, s'ils ont un mouvement pour aller vers l'est, là on peut engager. Feu sur le sud gauche, feu. Dans la maison, c'est les alliés, j'ai l'impression. Alliés. Je vois plus rien, là. Je prends mes jumelles. Ah si, il y a un mec, là. À gauche. Ah, ça y est, il a été abattu. Là, ils sont 2-3 avancés. Allié, non, ces alliés. Ces alliés, là, derrière le... Ouais, ces alliés. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'ils sont tous traités? Ok, c'est cool ça. Oh, fumigène blanche là. Oh putain, j'ai pris un tir. T'as dit où? Je sais pas, je me couche. J'ai l'air que tu t'es fait tirer dessus, c'est peut-être un allié qui t'a tiré dessus. Ragboy, Rapace, j'ai été blessé. Rapace, j'ai été blessé. Attention, je suis au sud sur des rochers avec Ferrouz. Faites attention. Bien pris pour Épervier. Ah la vache. Tu penses que c'est ennemi? J'en sais rien du tout parce que c'est bizarre. Rapace quand même, pour Épervier, maison sécurisée, attendons votre arrivée. Les Buzards. Buzard est avec nous aussi.
Ok, pour l'instant, commencez à démonter, on va arriver, on viendra plus tard. Moi, j'ai l'impression que c'était un tir intouché, hein, de base. Hein. Il n'y a pas eu de tir de sommation, quoi que ce soit. Mais on va bouger d'ici. Hein. Allez, on bouge. On va repartir dans la forêt. Parce que comme ça, si notre position est compromise par une IA, on change de place. Si elle est, si c'est un allié, comme ça, il nous perd de vue. C'est bon, vous êtes en position pour démonter la DCA ? Affirmatif, Rapace de Charlier. Ouais, Rapace à l'écoute. Se met sur la démolition, il faut prévenir le commandement pour les 20 pour le travail. Ok, c'est bien pris, je m'en occupe. Je veux que Buzard surveille donc tout ce qui vient de la route du nord et Épervier, vous me couvrez négatif. Buzard, vous me couvrez votre homme en 360 autour de lui et Épervier, vous me surveillez tout ce qu'il y a qui vient du nord par la route. C'est bien clair? Oui, c'est bien reçu. Mes hommes sont déjà en position. Buzard, on a aussi récupéré un document bleu. Félicitations, messieurs. J'informe le commandement tout de suite. Commandement de Rapace. Commandement à l'écoute. Rapace informe commandement qu'on a trouvé des documents bleus sur la DCA-2. La DCA-2 est en cours de démontage, ou tout du moins on piège la DCA pour qu'elle soit plus utilisable. On a pris possession des lieux, on est là pendant 20-30 secondes pour démonter la DCA. 20-30 secondes, c'est bien reçu. Commandement terminé. Allez, on bouge. Quel document bleu il y a là? Ok, on éteint la lumière. On est bon. On va éteindre le feu comme sur Arma 2, 3. Bon, c'est nickel. Je vais réfléchir comment faire. On quitte la zone. Hein. Des fois qu'il y a une patrouille qui vienne, on quitte. Ok, on est en plein est. On a les copains à gauche. Oh putain, on a un bon visuel là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des mecs là, non? À gauche du lampadaire? Non? Non, c'est un buisson. Non, c'est un buisson, ouais. Par contre. C'est Arleville. Ah oui. Ouais, c'est Arleville, ouais. Ok, ouais, c'est Arleville, on oublie ça. C'est à droite. On est à droite. Ok, on va repartir on plus est par là. Ouais, c'est ça. Ouais. On va repartir plus par là. Attention, hein, messieurs, hein, direction sud-est hein, pour la progression sud-est. Bon, écoute, oui, s'il te plaît, je peux pas finir la mission sinon. Ok. Alors, ok, on va faire ça. Ah, ben, il a rejoint le combat. Bonsoir, Iceman. Alors, il y a tous voté pour... enfin, on va voir si Natrium arrive à se reconnecter, mais normalement, il faut que je me connecte en tant que GM pour nettoyer certaines zones. Donc sinon, acceptez que je sois maître du jeu, s'il vous plaît. Ouais, bien reçu pour Épervier. Attends, sinon, je vais pas m'emmerder. Hein. Ok, c'est bon.
Alors. Ouais. Oh putain. Oh putain, mais ça c'est le karma, quoi. Mais c'est le karma. Mais c'est... Natrium, merci. J'ai envie de te dire merci, rien que pour te foutre la pression, quoi. Non mais ce jeu. Non mais ce jeu, quoi. Mais lol. Mais franchement, mais c'est de la rigolade en barre. Pas le contraire, Ferios, j'aimerais bien me TP sur toi, mais t'as vu comment ce que ça m'a fait là? J'ai pas eu l'opportunité de faire quoi que ce soit. Si au moins j'avais 2 secondes, enfin si je l'ai essayé, j'ai eu que 2 secondes, justement, c'est un peu ça le problème. Je vais y arriver à retenir hein, le nom du serveur, le mot de passe. Il me balance direct en... Alors attends, est-ce que ça on l'a déjà fait ça? Allez, ah putain, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et en plus ça se trouve ce que j'étais en train de détruire c'était la DCA. Pourquoi il me connecte directement en Game Master? Est-ce que je peux pas me connecter autrement? Alors, Ferius, si tu peux dire aux gens de ne pas se connecter en Game Master et de poursuivre la mission.